Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes astuces pour bien réussir à faire germer vos plants de pommes de terre. Alors, à quoi ça sert de bien réussir à les faire germer? À quoi ça sert de les faire pré-germer? Ça sert déjà à gagner du temps. Ça va beaucoup plus vite que si on les mettait directement en terre. Ça sert à mieux optimiser le bon moment de les mettre en terre. Et puis, ça sert à avoir des plants qui, du coup, seront en meilleure santé, qui seront en pleine forme et qui donneront encore plus de pommes de terre. Bon alors déjà, la première question à se poser, si on garde nos plants d'une année sur l'autre, si on garde nos pommes de terre pour faire du plan, quelles pommes de terre je vais garder pour avoir le plus de chances d'avoir des plants magnifiques l'année d'après? Alors, au niveau du calibre, en gros, voilà, ça c'est un calibre moyen qui est plutôt pas mal, c'est peut-être légèrement petit, mais non, ça va encore. Vous pouvez éventuellement avoir légèrement plus petit, vous pouvez avoir légèrement plus gros, ça marchera aussi. Sachant que si on a des plants plus petits, a priori, ils donneront plus de gros tubercules. Si on a des plants un peu plus gros, ils donneront une plus grosse quantité de tubercules, mais un peu plus petits. Ça, c'est une règle générale. C'est très variable suivant les variétés de pommes de terre. Un bon compromis, ça serait au moment de la récolte, d'y penser déjà d'anticiper, et de sélectionner les plants, moi je dirais quand même d'une taille moyenne, à peu près ce calibre-là, et de sélectionner ceux qui sont donc à peu près de cette taille, mais sur les plus beaux pieds, sur les pieds qui ont donné les plus belles pommes de terre. Et du coup, petit à petit, au fil des années, vous arriverez à avoir des pommes de terre de mieux en mieux. Alors bien sûr, c'est aussi très important forcément de garder, d'utiliser les pommes de terre les plus saines. On ne va pas du tout utiliser une pomme de terre qui va commencer à être légèrement abîmée. Elle arrivera peut-être à survivre et à donner quelque chose et à produire quelque chose, mais ça ne sera pas des pommes de terre qui se garderont bien, ça ne sera pas des pommes de terre qui, a priori, seront meilleures que les autres. Donc, on élimine, pas de pitié, tous les plants qui ne sont pas terribles, terribles. Mais très important, si vous êtes comme moi, si vous aimez comprendre avant de faire bêtement, et ben, il faut, ou plutôt au lieu de faire bêtement, et ben, c'est plutôt pas mal d'essayer de comprendre comment ça se passe, comment une pomme de terre qu'on récolte à l'automne peut finir au fil de l'hiver, évoluer, comment elle évolue pour donner un petit plant qui va commencer à pousser au printemps. Alors, il faut savoir que dans une pomme de terre qu'on récolte, au fil de l'hiver, il va y avoir une hormone de tubérisation. Donc c'est une substance qui va être créée par la pomme de terre elle-même au fil des mois, qui va être élaborée lentement, puis de plus en plus vite. Et la concentration de cette hormone de tubérisation dans le tubercule, c'est le cas de le dire, et bien cette concentration-là va permettre de déterminer différents stades dans l'évolution de notre plant de pomme de terre. Alors quand cette concentration est légère au tout début, on va avoir seulement un germe qui va apparaître au sommet de la pomme de terre. Si on repiquait la pomme de terre à ce moment-là, si on la plantait à ce moment-là, et bien on aurait une croissance qui serait plutôt lente, qui ne serait pas forcément très rapide. Puis, petit à petit, au fil des semaines, la concentration dans cette hormone de tubérisation va évoluer au sein du plant de pommes de terre. On va arriver à une concentration moyenne. On le reconnaît, c'est à peu près le stade ici. Il y a 3, 4, 5 germes qui sont assez trapus et qui sont encore tout petits. Et parfois, je n'ai pas d'exemple sous la main, mais parfois on se retrouve avec des germes comme ça, parce qu'on avait oublié des pommes de terre à la cave. Et bien dans ce cas-là, la concentration en hormones de tubérisation était très importante dans ces plants-là. Ils ont créé des grands germes qui ont vraiment poussé. Et bien là, c'est trop tard pour aller les mettre en terre. On peut encore le faire, mais ça ne donnera pas quelque chose de bon parce que la concentration sera trop grande et le plant de pommes de terre n'aura plus du tout envie de grandir. Il aura déjà fait tout ce qu'il avait à faire dans la cave et il va seulement chercher à faire des petits, à tubériser, à recréer des nouveaux tubercules. Et forcément, ça ne donnera pas grand-chose puisque le plant de pomme de terre n'aura pas un feuillage terrible, terrible. Et donc, tout l'enjeu va être de bien contrôler les différents stades de concentration de cette hormone de tubérisation pour repiquer nos plants au moment optimal. Alors attention, cette concentration en hormone de tubérisation, elle évolue forcément toujours en augmentant. D'aller casser des germes qui ont déjà trop poussé, ça ne va pas changer du tout ce qui se passe à l'intérieur de la pomme de terre et ça ne va pas la faire revenir en arrière dans son cycle hormonal. Casser des germes, ça peut éventuellement lui permettre d'en créer des nouveaux et des germes éventuellement un petit peu plus trapus, mais ça ne va pas du tout changer le stade dans lequel est notre plant.
et ça ne fera pas forcément des miracles. Ça pourra limiter les dégâts, mais ça ne vaudra jamais des germes qui seront faits au bon moment et au bon stade d'évolution du tubercule. Ok, donc on est bien d'accord, tout l'enjeu, ça va être d'avoir des plants de pommes de terre, c'est ça, c'est ça qu'on parle depuis tout à l'heure, d'avoir des plants de pommes de terre qui aient des germes parfaits au bon moment, au bon stade de développement, quand on voudra les mettre en terre au potager. Et déjà, la règle de base, donc vous l'avez compris, j'imagine, pour éviter d'avoir cette hormone qui se concentre de manière trop rapide dans la pomme de terre, mais ça va être de dire à la pomme de terre, attention, c'est pas du tout le moment de commencer à germer, donc pendant tout le moment où on va la stocker, l'idéal c'est 5 degrés, ben voilà, une chambre froide, essayer de trouver ça, pour lui dire, ben non, là il fait trop froid, c'est pas du tout le printemps, c'est pas du tout le moment de commencer à germer. Si on stocke nos pommes de terre dans une pièce où il peut faire 10, 12 degrés, voire 15 degrés, eh ben, elle va se dire, ah, tata, c'est le moment là, 15 degrés c'est le printemps, et donc elle va commencer à germer, et faire sauter les germes, on l'a bien compris, ça servira à rien, au contraire. Donc, on la stocke 5 degrés, c'est l'idéal, pour être sûr qu'elle ne va pas commencer à déclencher son cycle de fabrication de cette hormone. Et bien sûr, à 5 degrés, dans le noir, parce que la lumière du jour, ça aussi, c'est un critère. Une pomme de terre, écoutez, ça sait faire la différence entre les jours longs et les jours courts. Ça sait reconnaître quand il n'y a pas beaucoup de lumière, ça comprend que c'est l'hiver. Et quand il y a beaucoup plus de lumière, c'est l'été. Donc, le noir, c'est quelque chose aussi qui va l'aider à lui dire, attention, on est encore en hiver, on ne bouge pas. Et puis au moment, il va bien falloir se décider, il va falloir dire, bon ben allez, là c'est le moment de les sortir du frigo et de commencer à déclencher ce processus de germination. Alors le bon moment, c'est à peu près un mois et demi avant de les mettre en terre. Voilà, c'est pas compliqué, un mois et demi, voilà, tac, on démarre, on les sort du frigo et on commence à faire ça. On va les amener progressivement jusqu'à 12-15 degrés à peu près. Alors progressivement, il faut pas les sortir et pas tout de suite les mettre à 15 degrés, sinon elles vont pas aimer. Dans la nature, ça arrive jamais. Du jour au lendemain, une pomme de terre qui en plus est dans le sol, dans la terre, elle passe pas en 24 heures de 5 à 15 degrés. Donc il va falloir vous débrouiller comme vous pouvez, hein, suivant ce que vous avez comme pièce, comme lieu. Vous essayez de trouver un bon compromis pour la ramener progressivement jusqu'à une quinzaine de degrés. Et donc ça va se faire à peu près en 8 à 10 jours. Alors pour l'instant, on peut encore les laisser en vrac dans un sac, dans une cagette, dans tout ce qu'on veut. Pendant ces 10 à 15 jours, voilà, donc cette température qui va légèrement augmenter progressivement dans une pièce éventuellement éclairée, mais c'est pas forcément indispensable. C'est pas plus mal. On va dire une pénombre, ça peut être pas mal, un clair-obscur. Et puis un lieu qui soit quand même plutôt sec et aéré. Et là, au bout de ces 8 à 10 jours, on serait à peu près à ce stade-là. Je me rapproche. Donc vous voyez, il y a un ou deux germes au-dessus. Forcément, ils sont encore blancs parce que moi, ils étaient dans des sacs. Un ou deux germes qui commencent à peine à sortir. Donc là, voilà, c'est le bon moment de commencer à les mettre dans des cagettes. Alors pour les mettre dans des cagettes, il faut les mettre... A priori, on peut les mettre à peu près comme on veut. Mais si on veut vraiment optimiser le truc, on les met plutôt vertical et dans le bon sens. Pas comme ça, mais comme ça. Alors le bon sens, c'est quoi? Et bien, le bon sens, c'est bien évidemment du côté où le germe a commencé à sortir. De l'autre côté, hop, il n'y a pas de germe. Et c'est souvent comme ça. Il y a un côté avec germe et un côté sans germe. Donc ce côté-là va être sur le dessus. Si le germe est à peine sorti ou s'il est sorti un petit peu comme ça sur tous les côtés, y a quand même, en général, on voit qu'il y a un petit peu plus de promesses de germes sur le dessus. Et puis un autre détail qui ne trompe pas, c'est que derrière, le dessous, c'est là où le tubercule était rattaché au pied mère. Donc c'est là qu'on voit le petit bout de racine qui a été cassé. Donc voilà, si vraiment vous avez un doute, ça peut vous permettre d'arbitrer pour décider du bon sens. Et donc je les dispose une par une dans une petite cagette. Alors moi je prends une cagette plastique parce que j'aime bien, ça résiste bien à l'humidité. Et vous voyez, je la penche légèrement, voilà la petite astuce, je ne sais pas si c'est astuce de maraîcher, mais bon, je me suis aperçu que c'était quand même bien pratique. Parfois je le fais un peu plus quand j'y arrive. Ça me permet de poser les pommes de terre une par une comme ça, et ça évite qu'elles roulent, parce que voilà, une pomme de terre comme ça, et ben forcément c'est pas super stable, c'est un petit peu famille Cubuto. Donc voilà, en penchant la cagette, ça permet de les poser les unes contre les autres au fur et à mesure et d'avoir quelque chose qui tient
Éventuellement, des boîtes à œufs, c'est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas tant de plants que ça, vous pouvez récupérer quelques, vous voyez, des plateaux de 30, c'est une trentaine d'œufs en général. Des plateaux, on peut trouver ça dans les grandes surfaces. Et puis voilà, une pomme de terre par case. Alvéole, c'est pas mal. Allez, une pomme de terre par alvéole, et bien ça marche plutôt pas mal. Et du coup, la question, si on a des pommes de terre un petit peu trop grosses et qu'on a envie de les couper en deux, ce qu'on voit toujours, c'est on coupe en deux comme ça. Et bien c'est dommage parce que l'essentiel des germes sont dans la partie supérieure de la pomme de terre. Du coup, on va se retrouver avec une partie supérieure qui aura beaucoup de germes, mais finalement pas dans tant de ressources que ça, et puis une moitié inférieure avec un ou deux petits germes qui se promènent là et qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Donc, vous l'avez compris, l'idéal quand on a des pommes de terre qu'on veut les recouper en deux, c'est plutôt de les couper dans le sens de la hauteur. Et si vous voulez vraiment, vraiment optimiser le planning, eh bien vous prenez des godets et vous mettez les pommes de terre dedans, recouvertes aux trois quarts. Petit godet de terreau, et du coup la pomme de terre va d'une part faire les germes comme elle le ferait dans la cagette, mais elle va en plus en même temps faire des racines, et du coup on va gagner, on peut gagner une semaine à 10 jours avec cette petite astuce. Et c'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi j'ai mis dans des cagettes plastiques. Parce que donc, nos pommes de terre, on va les mettre maintenant dans une pièce à peu près à 20 degrés, avec de la lumière. Il faut de la lumière, sinon on aura des germes qui vont chercher la lumière et qui vont devenir tout longs, tout effilés, et puis blancs, et puis pas très vigoureux. Il faut 20 degrés, j'allais dire de la chaleur, mais avec 20 degrés, je pense qu'on s'est compris, et puis de la lumière, voilà, lumière du soleil direct, il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'arriver à avoir des plants, des germes qui font à peu près 2-3 cm de long et qui soient bien colorés, noir, vert et bien trapus. Pour être sûr que les pommes de terre ne se dessèchent pas et que les germes soient aussi en bonne santé, il ne faut pas hésiter à avoir une pièce plutôt saturée en humidité. Alors moi, mes cagettes plastiques, je les mets même carrément dans un petit bac et puis j'arrose légèrement. Il ne faut pas non plus que les pommes de terre trempent dans l'eau, mais un tout petit peu d'eau au fond pour maintenir une atmosphère un petit peu humide quand même. Pas non plus que ça devienne un sauna ou un hammam. Un hammam plutôt, non, le sauna c'est pas. Faut pas non plus que ça devienne un hammam. Sinon, les pommes de terre qui étaient un peu limites vont pourrir. En même temps, ça peut être aussi une technique pour faire le tri. Et puis vraiment sélectionner les pommes de terre qui sont vraiment top et qui donneront des plants parfaits. Et du coup, le but, vous vous en souvenez, j'avais expliqué dans la première partie de vidéo, c'est d'avoir des germes de 2-3 cm bien trapus. J'ai tout tourné le même jour parce que je veux très vite le mettre en ligne pour que vous ayez tout de suite les bonnes infos pour commencer sans tarder. Donc voilà, pour moi c'est pas encore le cas, mais le but c'est d'avoir des pommes de terre qui soient au moment optimal de leur concentration en hormones de tubérisation, et pour les mettre en terre pile au bon moment et pour faire quelque chose, des plants qui soient tout de suite prêts à démarrer à fond et à donner les plants les plus magnifiques qu'on puisse imaginer. Et normalement, si tout s'est passé à peu près comme il fallait, il s'est écoulé à peu près un mois et demi entre le moment où vous les avez sortis du frigo et le moment de les repiquer, et vous allez pouvoir les mettre en terre. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je précise quand même qu'il faut, dans l'idéal, que le sol soit au minimum à 8 degrés, la température de la terre. 10 degrés, c'est encore mieux, parce que sinon, ça va complètement bloquer la pomme de terre, elle va pas aimer, et du coup, ça va freiner sa croissance qui était pourtant parfaitement amorcée avec toutes les petites astuces que vous aviez suivies. Un petit truc assez important que je pense pas à dire assez souvent, c'est que voilà, si toutes ces astuces vous ont plu, si vous avez envie que ça en fasse profiter un maximum de monde, il va falloir aider un petit peu l'algorithme de YouTube qui est pas forcément si malin que ça. C'est pas juste quand moi je télécharge ma vidéo qui peut se dire ah oui, ça c'est une vidéo de qualité. Et bien non, il faut l'aider, il faut lui dire ah oui, cette vidéo elle est bien, il faudrait que des gens en profitent. Et bien pour ça, pour faire comprendre à YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à mettre plein de commentaires en dessous. Je réponds de mon mieux quand il y a des questions qui m'inspirent, on va dire, et quand j'ai le temps. Mais surtout voilà, si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas à en parler. Et voilà, c'est grâce à ça que vous allez, propager la bonne parole. Lié, pour qui tu te prends là. Mais bon, on se comprend, vous voyez l'idée. Sur ce, je crois que je vous ai donné à peu près toutes les astuces qui étaient enfouies quelque part là-dedans, au milieu de ces quelques neurones qui bringuent-balles. J'ai fait le tour. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va reparler un petit peu de comment ça s'appelle, tout ce qui est autour du potager. On va encore parler de quelques bouquins. Et puis bien sûr, on
va parler beaucoup beaucoup du potager. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt.